avait. Quand il est descendu. Mais quand il s'élève, frère, regardez combien nous croyons aujourd'hui en Jésus. Combien d'enfants? Il nous avait perdu, mais il nous a récupérés. Voilà pourquoi il a dit à Pierre. Ce que tu perdras, tu les récupéreras au centuple. Mais quand tu vérifies comme ça, Pierre n'avait rien récupéré. Il est mort pauvre. Je crois qu'on l'a mis dans un tonneau. Si Jésus était encore béni, Jésus, toi tu m'as menti. Hein? Alors que Jésus parlait d'autre chose, frère. Dieu ne pose pas la question au serment. Il s'arrête là. Et vient en fait les paroles prophétiques. Dieu, il explique l'autre face de l'arbre. Il dit, toi serment, tu mangeras la poussière de la terre. D'abord physiquement, le serpent ne mange pas la poussière. Non. Hein? Donc, tu vois, quand tu as fait la théologie, frère, hein, tu vas commencer à prêcher n'importe quoi. Physiquement, le serpent ne mange pas la terre. Non. La poussière. Non. Dieu soit loué. Vous savez, frère, des fois, il faut partager. Hein? Parce que le frère Roger m'avait donné une très bonne révélation. Que quand on met le sang dans la poussière, il y a la vie. Les victimes. Hein? Quand on prend le sang, on met dans la poussière, c'est fini. Tu ne peux plus manger la poussière. Écoutez, la nourriture du serpent était devenue l'homme. Le péché. Il mangera ça. Mais là, il dit que tu vas les briser au talon et il t'écrasera la tête. Dieu donne la prophétie de l'autre face de l'arbre. La face qui donne la vie. Parce qu'il avait dit, on va l'empêcher de rentrer. Parce que s'il rentre, il va voir l'arbre de vie. Mais il faut qu'il y ait un chemin pour rentrer. Je vais toucher le père Abraham. Disons, je crois que ça doit être Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. À partir du verset 1er. Je me résume. On ne fait pas de l'histoire. Nous sommes en train d'expliquer les choses prophétiques de Dieu. Nous avons commencé par expliquer qu'au milieu du jardin, il ne peut pas y avoir deux points. Or, l'Écriture nous dit qu'au milieu du jardin, il y avait et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes en train d'expliquer qu'en réalité, c'est le même arbre, mais qui a deux faces. C'est pourquoi nous prenons des témoins pour expliquer. Je sais que j'avais donné Romain. Je reviendrai. Genèse chapitre 18. La Bible dit que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Premier verset. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le père Abraham, il était assis sous les chaînes de Mamré. Là, l'Éternel va lui apparaître sous la chaleur du jour. La chaleur du jour, c'est le milieu du jour. Je vais me répéter, frère. Je me répète. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, se trouve au milieu du jardin. Maintenant, l'Éternel Dieu apparaît à Abraham sous les chaînes de Mamré. L'Écriture dit qu'il va voir apparaître Abraham dans la chaleur du jour. Oh frère, suivez-le bien. La chaleur du jour, c'est quand le soleil est à son point culminant. Ah, suivez-le bien. Comme les choses de Dieu sont en harmonie.
La chaleur, c'est-à-dire que l'estomac s'est levé. Comme le jour à 12 heures. Quand le soleil arrive à la sixième, le point milieu, il rencontre Abraham. Ah! Il est merveilleux. Je vais me répéter. Abraham, votre père dans la foi, qui est aussi mon père. Cet homme était assis sous les arbres. Probablement qu'il sirotait un vin. Parce qu'Abraham prenait le vin. L'Éternel lui a parlé. Comme Dieu est un Dieu de précision, frère. Il dit qu'il verra l'Éternel Dieu dans la chaleur du jour. C'est-à-dire quand le soleil est au zénith, dans sa plus grande puissance. Or, nous avons expliqué dimanche passé que les jours à 12 heures, en fonction du lever et du coucher du soleil, suivez-nous, frère, faites attention. Or, quand le soleil s'élève, quand il arrive au milieu du jour, c'est-à-dire midi, je ne parle pas ici de midi, hein? Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas du midi en 24 heures. C'est-à-dire, c'est le milieu du jour prophétique. Or, le milieu du jour prophétique, c'est la sixième heure. Genèse va nous dire que le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Frère, est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour rien qu'il a rencontré Abraham dans la chaleur du jour. Non. Parce que il s'agit de la création de l'homme. Or, la chaleur du jour, c'est la position du milieu. C'est la position du jardin. C'est ici que nous sommes en train de dire que l'homme qui est au milieu du jardin, c'est Christ. L'arbre maintenant dégage une autre face. Frère, disons Matthieu, je crois. Frère, voulez-vous m'aider? La mort de Jésus. Matthieu, combien? Matthieu 27. Il dit 45. Il est merveilleux. L'Éternel Dieu est merveilleux, frère. Frère, vous savez. Non, frère. Qu'il est merveilleux, Dieu du ciel. Matthieu 27, verset 44. Les brigands qui se fuyaient avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres dans la cité. Suivez-nous bien maintenant. Il arriva à la sixième heure, qui est le milieu du jour, c'est-à-dire le milieu, l'homme du milieu. La Bible dit c'est à ce moment-là que les ténèbres vont s'abattre sur la surface de la terre jusqu'à la neuvième heure. Frère, je vous dispense les trois heures des ténèbres. Parce que je sais que les ministres, les autres peuvent expliquer ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sixième heure. Parce que Christ est monté à Golgotha pour créer l'homme renouvelé. L'homme spirituel. C'est Adam qui a été chassé du jardin. Qui doit revenir. Il fait cette démarche à Golgotha. Maintenant, l'Écriture dit, quand nous arrivons au milieu du jour, à la sixième heure, nous avons expliqué que le jour à 12 heures. Qui est le jour de la création de l'homme? Là, les ténèbres vont s'abattre. Ça va donner l'autre face de l'arbre.
la partie ténébreuse. Maintenant, on remarque, parce que de là, il va aller sur, dans la tombe, et quand il est ressuscité, c'est la nouvelle naissance. C'est un homme nouveau. C'est un homme qui va renaître du côté de l'Occident. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Rentrons dans Genèse 18. Que Dieu m'aide. Remarquez, frère. Là, Jésus, il vient pour redonner la vie à cet homme qui avait perdu sa vie dans les gens. Et il est lui-même le jour. Maintenant, quand on les met sur la croix, à la sixième heure, rentrons dans nos gens. Quand l'Éternel Dieu rencontre Abraham sur les chemins de la mer, au milieu du jour, il va dire ceci. Ah, rentrons là-bas, c'était Genèse 18. Hein? Voilà. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais je vais quand même moi prendre le verset, parce que l'événement se passe au milieu du jour. Remarque ce qui se passe au milieu du jour, frère. Au verset 11, pardon, verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Après, remarquez, à cette même époque. Ah. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. À quelle époque? À la chaleur du jour. Quand moi, je fait que... j'ai reviendrai. Ah. À la... Ouh, Genèse vient expliquer, frère, que Dieu a créé le soleil pour marquer les époques, les années et les jours. Voilà pourquoi ce jour-là, c'était quand le soleil était au zénith. Il vient rencontrer Abraham, il dit, à la même époque, quand le soleil sera au zénith, au milieu du jour, les ténèbres vont s'abattre pour manifester la partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après les ténèbres, tu verras les fils. Écoutez, frère, depuis le jour où Dieu rencontre Abraham, au milieu du jour, elle prononce cette parole. Toute la vie de Sarah était dans les ténèbres. Jusqu'à la manifestation d'Isaac. Ah. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, frère, écoutez-nous bien. Écoutez. Cela veut dire que depuis la chaleur du jour, toute la partie qui vient là jusqu'à ce qu'on voit Isaac, Adam était en train de marcher du côté de l'Orient. Adam, frère, je ne sais pas si vous me comprenez. Depuis à la sixième heure, à la chaleur du jour, quand Dieu fait la promesse au milieu du jour pour Sarah, jusqu'à ce qu'on voit Isaac, toute cette partie-là, c'était la marche vers l'Orient. C'est la partie de la manifestation de la loi, de la manifestation du péché, afin de déterminer l'incapacité de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par l'effort d'elle-même que Sarah va concevoir. Parce que lui-même, Sarah a dit. Est-ce que vous comprenez, frère? Frère, je vous assure que quand Marcel va monter ici, il est sursauté.